Pavel mort, je me retrouvais seul. Mais je devais rejoindre la station noire d'une manière ou d'une autre. Ullman m'y attendait pour me conduire à police. Fermé jusqu'à évacuation complète. Prépare-toi à te battre et prends toutes les munitions qui restent dans la réserve. T'es avec nous maintenant. Notre escouade s'appelle les Enfants du Souterrain. Mes amis, il faut encore retenir l'ennemi pendant quelques minutes. Je vous mentirai pas, le combat sera rude. Mais pensez à ceux que vous aimez et qui sont restés dans la station. Nous n'aurons aucune pitié. Gardez votre calme.
Trop de mutants sont arrivés à passer. Il faut prévenir police. Mais je peux pas continuer de combattre, comme tu le vois. J'ai une mission capitale à te confier. Va dans la tour de la radio. Contacte police. Et diffuse le message d'urgence que j'ai préparé. Bonne chance, mon frère. Thank you.
Je m'emmènerai voir maman. Tu m'as promis. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Ma maman m'a dit de pas parler aux étrangers. S'il te plaît, mon oncle, t'es blessé? Dis-moi quelque chose. Il se réveillera pas. Je crois qu'il est mort. Il est mort, c'est ça? Comment je vais rentrer chez moi? Tu m'emmènerais avec toi? Je te connais pas. Mais si je te suis pas, je pense que je me ferai manger par les monstres. T'as une arme? Très bien. Je vais peut-être venir avec toi alors. Tu peux tuer les monstres, hein? Très bien. Je m'appelle Sacha. T'as qu'à tirer, et moi je surveillerai tes arrières. Je suis triste de laisser mon oncle ici. Je rendais visite à mon oncle. Il allait me raccompagner chez moi quand les monstres sont arrivés. Ils ont sauté sur lui. Il a commencé à tirer, et un gros nosalis l'a mordu au cou. Mais mon oncle est vraiment fort, et il l'a tué avec un couteau. T'as pas l'air aussi fort que mon oncle. Je vais devoir t'aider si on veut pas se faire de là-bas. Celui-là. J'ai une arme, moi aussi. Elle est dans un endroit sûr, et j'ai pas le droit d'y toucher avant que je sois assez grand pour tirer. Mais tu pourras l'emprunter quand ton arme servira plus. Pas lancer des grenades ici. Maman dit que le plafond est fragile et il pourrait s'effondrer. Hé, attention! Jamais été dans les tunnels. Maman m'a dit que c'est un endroit dangereux où les enfants disparaissent. Maman m'a dit que si les enfants s'enfoncent trop loin dans les tunnels... Waouh ! C'est quoi ce truc là-haut ? Attends, une fois mon oncle m'a montré une photo. C'est... Le ciel ? Le ciel ? C'est bien ça ? On dirait un plafond qui est peint. Je vais être célèbre ! J'ai vu le ciel ! Tu crois qu'on peut grimper jusqu'au ciel ?
J'ai pas envie d'aller si haut. Me lâche pas! C'est ma maman! Allons-y, elle me cherche! Laisse-moi la retrouver! Laisse-moi la voir! Vous ne savez pas ce que ce petit garçon signifie pour nous. Tu es en vie! Son père est très important. Tu veux bien? Si son fils était mort. Et où est ton oncle? Il l'aurait pas. Comment es-tu arrivé ici? Mon oncle est mort, maman. Oh mon Dieu! Pauvre Serioja! Merci d'avoir sauvé mon fils. Je pourrai jamais assez vous remercier. Mais prenez ces cartouches! C'est toujours mieux que rien. M'en fous. Achat, vente. T'as déjà les poches pleines? J'en ai plus. Je peux plus rien vendre, c'est réservé. De rien. Passez. Je retournais de nouveau à la surface et retrouvais le charme sinistre d'un Moscou apocalyptique. On m'avait averti à la brèche qu'un nouveau groupe de Rangers fachos était apparu. Mais j'étais décidé à respecter la dernière volonté du commandant et à transmettre son message à police.